Bonjour les gens, bonjour mes amis, bonjour YouTube. Une vidéo qui sera peut-être courte ou pas, une petite vidéo, une petite larme aux yeux. C'est une passation de pouvoir entre guillemets, qui s'opère là, au moment où vous allez voir la vidéo, au moment où je vais publier la vidéo. J'ai des frissons, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai amené un projet de webmastering, de webmaster. J'ai, avec Patrice Servelin, Serveline, Servelin, ou Serveleux. Quand je suis arrivé dans la communauté de création de jeux vidéo amateurs, j'ai eu débuté par RPG Maker. Et vers 2009 à peu près, j'ai découvert Multimedia Fusion 2. C'était le nom du logiciel à l'époque. Pour après connaître Clickteam Fusion 2.5, enfin peu importe. Et vers 2010, je crois, la communauté française s'est cassée la gueule. Du moins, il n'y avait plus de forum, de site français, francophone, pour nous réunir, pour réunir la communauté. Et avec Patrice, on a eu cette idée folle, cette idée de relancer quelque chose. J'avais un petit peu de bouteille, certes. Pas génial, mais avec Oniromancy, j'avais fait quelques sites, j'avais un petit peu d'expérience et j'ai donc, avec Patrice, ouvert le comptoir du Clicker, qui comprenait au début seulement un forum, puis un petit site. Mais le forum a très bien fonctionné et fonctionne très bien. C'est la pierre angulaire. Une pierre angulaire du comment de la communauté française des utilisateurs de logiciels Click. Mais voilà, il y a un temps pour tout et moi je pars de ce genre de logiciel, que ce soit RPG Maker ou Clickteam Fusion, que j'adore beaucoup, que je reviens de temps en temps dessus et qui m'aide. Mais je suis de moins en moins présent, puis mes compétences en création de site web, il faut l'avouer, c'est pas top. Je suis encore à la vieille école. C'est très bien pour faire des sites statiques, comme je fais, comme Amstrad, Ofgame, ça marche très bien. Mais pour un site, pas un senior site, mais pour un site où on a besoin de qualité, où on a besoin d'être moderne, que ça fonctionne sur téléphone portable, parce que c'est ça qui marche maintenant, c'est super important, je ne suis plus dans le coup. Je ne suis plus dans le coup parce que j'ai pas ces compétences-là, puis ça m'intéresse pas. Alors, au mois d'octobre dernier, j'ai parlé avec Loïc Ovigne, alias Xénon 3000, que vous pouvez voir ici en petit truc. Puis on a discuté que il est l'heure de faire autre chose, de donner les clés, tout simplement de donner les clés à quelqu'un qui s'y connaît, quoi, mieux que moi. Et puis ce jour, ça fait peut-être un mois ou 2 mois, je ne sais plus, qu'il y travaille. Et voilà, le site, le nouveau comptoir du Clicker est donc en ligne officiellement pour le public. Pour le moment, il n'y a que le site, le forum fonctionne toujours et toujours sur l'ancien hébergement, mais à l'heure actuelle, le forum est encore sous ma responsabilité, sous mon hébergement. Mais bon, petit à petit, on va voir une passation de pouvoir totale. Voilà, donc c'est le moment de découvrir un petit peu le comptoir du clicker.fr qui est donc le nouveau nom de domaine du site qui parle donc de Fusion, qui est largement mieux que l'ancien, s'il n'y a pas photo, qui est plus moderne, qui est plus dans le temps et qui a un bug, j'ai l'impression à l'heure actuelle, parce que mon compteur ici arrête pas d'augmenter, mais oula, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous fait? Bref, y a... bon,
c'est tout, il y a plein de trucs qui arrivent, mais qui est quand même beaucoup plus agréable et qui est axé, ce que nous on aime dans le comptoir, c'est les postes, voilà, c'est centré un peu communautaire, un peu comme un Facebook, tout simplement. Donc ce qui est cool, ce qui marche beaucoup sur le comptoir, le chat du forum fonctionne. Donc on va revenir un petit peu au forum. Le forum, on a bien sûr notre forum accueil. Hop. Si ça marche. Voilà, on a notre forum ici qui fonctionne très bien pour Fusion. On a toutes les demandes d'aide et compagnie, les présentations de jeux sans que ça soit sur le site. Et on a cette zone-là qui est à peu près notre zone blabla. On n'a pas de topic blabla, où il y en a, mais il ne fonctionne jamais. Ça fonctionne. Donc le comptoir du cliqueur, il est axé là-dessus aussi, sur ce que nous on utilise beaucoup. Voilà, donc avec des modules jeux qui est beaucoup plus agréable à utiliser pour tout le monde. Par exemple, on va aller voir notre Gravity Island. Voilà, avec un beau petit texte qu'on peut mettre, des liens directs sur l'Apple Store, sur Steam ou autre truc, des commentaires, des photos un peu plus modernes, avec un affichage un peu plus moderne. Bref, c'est du tout bon. Tuto, actualité, bah, par exemple la sortie de la dernière build. Voilà, tout est fait pour repartir sur des nouvelles bases, sur quelque chose de propre. Et puis voilà, quelque chose de tout simplement de cool. Oui, c'est cool. Voilà. Donc c'est la passation de pouvoir entre deux Loïc. Et il est l'heure pour moi de conclure tout simplement sur le comptoir du clicker, du moins au niveau webmaster. Pour moi c'est fini. Donc du coup c'est la quille. Je remercie bien sûr tout le monde, tous les acteurs du site, de m'avoir accueilli dans la communauté, parce que je suis arrivé un peu comme ça, pouf, je suis arrivé comme ça, du jour au lendemain, personne ne me connaissait, et puis j'ai construit quelque chose avec l'aide de tout le monde. C'était une bonne expérience, merci beaucoup. On a mélangé les vieux, donc pas les vieux, les vieux utilisateurs, Patrice, Manu, Loïc Ovine d'ailleurs, Eagle, tout ça c'est des vieilles, comment, c'est pratiquement les pionniers du logiciel, de ce logiciel-là d'ailleurs, avec des nouveaux qui sont arrivés, bon, que je connais un peu moins maintenant, mais voilà. Donc, c'est un grand plaisir de conclure, et je pense que faire une vidéo c'était important. Voilà, donc je souhaite bonne chance à Loïc, bonne chance à notre nouvelle Miss Click, et bonne chance à cette communauté, et que des beaux jeux vont sortir, parce que c'est super important. Le but c'est de faire des jeux, peu importe comment on y va. Pardon. Peu importe avec quel logiciel finalement on le fait, si c'est du code ou du logiciel pré-créé ou Unity ou compagnie, là c'est Clickteam Fusion. Le but c'est de nous sortir des belles créations. Et sur le Fusion, il y en a des belles, il y a des bons jeux qui sont là. Il faut continuer comme ça, les gars. Il faut continuer à nous faire rêver en sortant des jeux. Voilà. Bon, moment d'émotion. Bonne chance à vous. Moi demain je suis à la C. Bisous tout le monde. Et bisous, tout simplement. Ciao.